responsable commercial en fait dans, dans la société AMG Productions qui organise donc notamment le salon du mariage de Bayonne. Je suis en charge de toute la communication, que ce soit l'affichage, presse, internet, radio. Je m'occupe de l'organisation du salon du mariage avec AMG Productions et notamment je m'occupe des hôtesses sur place. Elles réalisent des enquêtes pour avoir justement la satisfaction des visiteurs et des exposants. Marie, bien sûr, il faut des chaises et des tables et on vient vous voir. Exactement. Et la particularité de AF équipement. Écoutez, notre grande spécialité, c'est surtout l'équipement de chaises, en fait, hein, avec des housses de chaises, les tables, toutes les formes, toutes les tailles et la vaisselle. Un grand mariage pour vous, c'est quoi? 300 personnes. 300 personnes. Ouais, 300 personnes. Et un bon mariage. Quand les mariés sont heureux. Nous sommes la boutique de fleurs Coquelicot à Bidart. Nous avons deux activités conjointes qui sont les fleurs et les photos. Donc là, vous êtes sur le stand des fleurs. Là, juste à côté, vous avez le stand du photographe qui fait partie de notre structure. Nous proposons donc évidemment des forfaits pour les mariages, forfaits floraux et installations donc, de salles et décorations de salles. Nous, on est là pour les écouter, pour faire exactement ce dont ils ont envie et réaliser leurs désirs et réaliser leurs rêves, ça c'est sûr. Moi, c'est la Scala, la boutique. Alors vous faites quoi ici, vous de vous? Nous habillons les invités, les remariages, tout ce qui est cortège, voilà, sauf la robe de mari. Voilà. Et puis on fournit tous les accessoires, les chapeaux, les chaussures. Qu'est-ce que vous prenez comme conseil à des mariés qui regardent ce reportage? Donc de choisir une destination idyllique, hein, qui reste les Caraïbes françaises, l'océan Indien, la Polynésie. Nous sommes là pour accueillir tout le monde et leur donner les meilleurs conseils. Qu'est-ce que vous faites de spécial pour les gens qui viennent de se marier et qui viennent chez vous? Bon, on leur fait un petit cadeau, on leur offre une suite, déjà pour leur nuit de noces, et on essaie d'agrémenter après selon leur désir, leur plaisir. On fait tout ce qui est composition bonbon, donc avec des pièces montées. Et ensuite, on présente aussi les confiseries en candy buffet. Donc ça, c'est un nouveau concept venu du Canada et des États-Unis. Et on présente les bonbons sur un buffet assorti au type de la réception. Et chaque invité repart en ayant rempli un petit contenant. Qu'est-ce que vous proposez comme champagne, en particulier pour les mariés? Alors, on a un excellent rapport qui a été pris, qui est Maé le Roi, en fait, hein, qui est notre champagne phare pour l'ensemble des mariages. Il y a une très belle communication qui est faite par les responsables du salon, avec des panneaux 4x3, qui nous drainent à peu près 2000 personnes sur le salon, ce qui, voilà, sachant que 80% des personnes qui viennent sur le salon viennent dans le but d'effectuer un achat pour leur mariage. Donc c'est très ciblé. Absolument. Finalement, quand on va se marier, ben on va à la mairie. Tout à fait. La première démarche, c'est de décider d'une date de mariage pour pouvoir voir les différentes disponibilités en mairie. Et ensuite, eh bien, demander un dossier de mariage pour connaître la liste des pièces à fournir pour ce même dossier. Je crée des robes en fonction des gens que je reçois. J'apprends à les connaître pour les habiller pour ce grand jour. C'est quoi votre particularité à vous ? Particulière, on va dire que je passe énormément de temps au départ pour rencontrer cette personne, pour apprendre à la connaître. Je donne du conseil pour la coiffure de mariage et j'ai coiffé le défilé, oui. J'ai un salon de coiffure, Marival Coiffure à Biarritz. Et voilà, il y a un complément enfin, pour faire le joli côté de mon métier en plus, que j'aime beaucoup. J'ai développé du mariage. La tendance des robes cette année, c'est qu'est-ce qui se démarque un peu de tout ça? Bah écoutez, nous on fait beaucoup de salons du mariage, donc a priori ça dépendrait aussi des villes, des secteurs. Ici on est quand même plus dans l'originalité, donc l'ivoire certes, mais aussi les couleurs, le côté noir, blanc et noir. On a intégré effectivement Miss Languedoc, donc ça s'est très très bien passé. Ben, nous voilà. Notre but c'était de l'intégrer sur le défilé, que ça se passe bien pour elle, on ne la connaissait pas, mais bon, à la mesure où on est assez cadré sur ce défilé-là, on est arrivé sans problème à lui faire des passages.
accompagnée et puis les gens sont très agréables aussi, donc c'est un plaisir. Qu'est-ce qui vous plaît le plus dans le mariage, vous? Ça fait rêver, hein, comme toutes les jeunes filles, c'est de voir cette belle robe. Et puis après, bah, c'est le côté un petit peu féerique. C'était bien ce défilé? Impeccable, très bien. Très joli. Belle ambiance? Oui, très bonne ambiance. Encore meilleure que l'année dernière. Ça nous a rajeuni parce que voilà, on se demandait si on pouvait refaire ça, mais bon, peut-être pas. On va pas aller jusque-là, malgré tout. Ça vous a donné une idée? C'était quoi l'objectif? Bon, c'était de regarder un peu et voilà. Il y a quelques idées qui me sont venues. Ouais. Par exemple? La salle de réception. Voilà. Et puis les conseils robe de mariée aussi. Choisir la robe en fonction de ce qu'elle aime, elle, pas en fonction de ce que aiment ses amis, ou sa mère, ou sa belle-mère. C'est clair. Voilà. Ne pas oublier que la mariée, c'est elle, uniquement elle. Voilà. Et ça se passera très très bien. Et là, il y a énormément de choix. C'est agréable, c'est diversifié. Donc il y a plus de choix ici qu'à Paris? Oui, tout à fait. On a tout ce qu'on veut ici. Ce salon, c'est l'occasion de pouvoir montrer un petit peu les dernières tendances, notamment le bouquet éventail qui est une de nos créations, avec vraiment un savoir-faire. Vous faites des caricatures? Voilà, je suis caricaturiste. Et vous les faites pendant les mariages souvent? Exactement. Vous pouvez respirer, vous êtes filmé. L'alliance, bien sûr, pendant le mariage, c'est... C'est primordial. Primordial. Hein. Ça dure très longtemps. C'est sans alliance, il n'y a pas de mariage. Mais... Exactement. Bon, ça va, ça se passe bien, ça se oui, passe bien. Très bien. Qu'est-ce que vous pouvez donner comme conseil, juste comme ça, à quelqu'un qui va se marier? Il faut acheter de belles alliances. Voilà, il faut pas... C'est comme ça qu'on se rappelle de notre mariage, avec les alliances. Le salon ici, c'est comment alors pour vous? C'est une bonne fréquentation? Oui, je suis content de ce salon parce qu'on a eu du monde à Paris hier matin parce que vous êtes très froid. Mais hier après-midi, une bonne fréquentation. Des gens très intéressés. Il y a une garderie pour le salon du mariage. Oui, donc on est là pour accueillir ces familles modernes qui ont déjà des enfants avant de se marier. Donc étant donné qu'on est au salon du mariage aujourd'hui à Bayonne, je souhaite donc à tous les futurs mariés plein de bonheur pour cette nouvelle année et plein d'amour, tout simplement. Let it shine.